remercions le Seigneur. Voilà que nos bien-aimés chantent ces cantiques. Toi, tu vas commencer à remercier le Seigneur. C'est parce que Jésus est roi. Il est le roi des rois. Que en Jésus, tu as pu bénéficier de ses grâces. Tu respires encore. C'est pourquoi ce soir, tu es dans ce lieu. Plusieurs sont morts. Plusieurs sont dans les hôpitaux. À toi, il a été fait grâce. À toi, le Seigneur a fait grâce d'être dans ce lieu. Commence à bénir son nom. Commence à lui dire merci. Parce qu'il est roi. Il est le roi des rois. C'est parce qu'il règne que l'ennemi n'a pas eu raison de toi. C'est parce qu'il règne que les puissants de la terre n'ont pas eu raison de toi. Bien-aimés, commence à bénir son nom. 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 Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du roi des rois. Bénis le nom de celui qui allait à la croix à cause de toi. Bénis le nom de celui qui s'est levé contre les malédictions, les esprits méchants, les puissants de la terre qui se sont dressés contre toi, qui se sont dressés sur ton chemin comme une embûche. S'est levé pour faire taire les réclamants, les malins, les esprits méchants, les principautés qui se sont dressés par toi. Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des Seigneurs, leur a imposé le silence, leur a imposé la défaite, leur a imposé la défaite à Jean. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, parce que tu règnes, béni sois-tu, toi qui règnes à jamais, béni sois-tu, toi qui règnes d'éternité à l'éternité, bénis-toi ton nom, toi qui règnes dans un âge, toi qui es vivant, qui es puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, 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 que ton nom soit béni. Alléluia. Il t'a gardé, il t'a protégé, il a sur ta famille, il a veillé, il a sur ta soeur, il a assisté, il a gardé, il a pas besoin. Alléluia. 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 Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Commence à bénir le nom du Seigneur, remercie-le. Alléluia. 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 On va tous se tenir debout. Avec votre permission. Et tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ce soir, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Je te dis merci. Pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. Pour la vie de cette assemblée. Pour la vie des enfants. Pour la vie des bien-aimés. Oh Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Continue de le remercier. Continue de le remercier. Continue de le remercier. Continue de bénir son nom. Pour la vie de ton frère. Pour la vie de ta soeur. Il y a eu beaucoup de luttes. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Certainement dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Mais l'Éternel l'a préservé. L'Éternel l'a gardé. L'Éternel a permis que ce soit ici là. Ce soir, tu vas lui dire merci. Ce soir, tu vas dire merci au Seigneur. Ce soir, tu vas dire merci au Seigneur.
Que toute la gloire nous revienne. Ô Éternel, que la gloire revienne à toi seul. Que la gloire revienne à toi seul. Que la gloire revienne à toi seul. Alléluia. 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 Vous m'excusez. On va lire dans Philippiens. On peut s'asseoir. Philippiens le chapitre 2. Écoute attentivement. À partir du verset 20. Philippiens 2. À partir du verset 20. Voici ce qu'il est écrit. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Ici, Paul adressait cette lettre à l'église, aux Philippiens, et leur recommandait Timothée. Bien aimé, le Seigneur veut qu'on partage ses sentiments. Le Seigneur veut qu'on soit à son image et selon sa ressemblance. Le Seigneur veut qu'on souffre pour lui. Qu'on accepte les épreuves. Qu'on accepte de souffrir. Qu'on accepte tout à cause de son nom. Alors ce soir, tu vas incliner ton cœur devant le Seigneur et tu vas demander pardon au Seigneur. Là où tu n'as pas partagé les sentiments du Seigneur. Là où tu as cherché ton intérêt. Là où tu n'as pas désiré. Tu n'as pas marché comme Jésus le voulait. Mais tu as cherché ton intérêt. Tu as recherché ce qui t'arrange. Paul dit, Timothée n'a pas agi ainsi. Lui, Paul, il n'a pas agi ainsi. Mais toi, est-ce que toi aussi, tu n'as pas recherché ton intérêt? Est-ce que tout au long de cette soirée, ce n'est pas ton intérêt que tu as recherché? Bien aimé, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas recherché ton intérêt. Je n'ai pas partagé tes sentiments. Je n'ai pas été animé des sentiments qui étaient en toi. Bien aimé, dans Ephésiens, dans 1 Corinthiens, plutôt le chapitre 11, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien aimé, soyez mes imitateurs plutôt comme moi, mais je le suis de Christ. Et dans Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien aimé, quels sont les sentiments qui t'animent ce jour? Quels sont les sentiments qui t'ont animé? Quels sont les désirs qui sont montés à ton cœur? Quelles sont les pensées que tu as ressassées? Quelles sont les pensées qui t'ont animé? Quels sont les désirs qui sont montés à ton cœur? Bien aimé, ce soir, le Seigneur t'écoute. Ce soir encore, le Seigneur t'écoute. Expose-lui les sentiments qui t'ont animé. Les désirs qui sont montés à ton cœur. Expose-lui tout cela. 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 Dis à ton Dieu, dis à l'Éternel, dis à Jésus-Christ que ce soir, tu veux être à son image, selon ta ressemblance. Tu veux lui ressembler. Tu veux avoir les mêmes sentiments que lui. Tu veux avoir les mêmes désirs que lui. Tu veux être rempli d'amour pour lui. Tu veux être son esclave. Tu veux être son serviteur. Tu veux être son ouvrier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Alors, dis-lui, malheureusement, ce n'est pas ainsi que tu as agi. Ce n'est pas ainsi que tu as marché. Ce n'est pas ainsi que tu as parlé. Alors ce soir, tu lui demandes pardon. Avec qu'il vienne à toi. Avec qu'il ce soir, il efface tes transgressions. Il pardonne tes péchés. Il enlève tes iniquités. Il enlève la colère. Il enlève la calomnie. Il enlève la méchanceté. Il enlève l'hypocrisie. Il enlève ce qui est en toi. Qui te loigne de lui. Ce qui est en toi. Qui te loigne de lui. Qui fait qu'il ne peut pas te regarder. Qui fait qu'il ne peut pas t'écouter. Ce soir, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Comment est-ce que ce soir il te voit? Comment est-ce que Jésus te voit ce soir? Est-ce que Jésus ce soir peut te recommander comme étant un homme qui a accepté les épreuves, qui a accepté de marcher dans ses voies,
qui a été animé de ses sentiments, qui a été animé des sentiments qui étaient en Christ, qui a été revêtu de Christ. Est-ce que ce soir, c'est ainsi que Jésus te voit? Est-ce que c'est ainsi que Jésus te voit? Est-ce que c'est ainsi que Jésus te voit? Quels sont les sentiments qui t'animent, mon bien-aimé? Quels sont les désirs qui montent à ton cœur, mon bien-aimé? Ce soir, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Implore sa miséricorde, implore sa grâce. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui ce soir de te pardonner. Parce que ce soir, il est bon, il est riche en bonté. Il peut pardonner tes péchés. Il peut circoncire ton cœur. Il peut enlever les puretés de ton cœur. Il peut enlever la méchanceté. Il peut enlever la colère. Il peut enlever la vanité. Il peut enlever l'amour du monde. Il peut enlever les décisions du monde qui ont rempli ton cœur. Qui ont rempli ton cœur. Bien-aimé, ce soir, sache que le Seigneur veut changer ton identité. Bien-aimé, sache que ce soir, Jésus veut faire de toi une nouvelle personne. Bien-aimé, sache que ce soir, Jésus veut que tu sois revêtu de son esprit. Tu sois un avec lui. Bien-aimé, sache que ce soir, Jésus veut que tu sois son serviteur. Jésus veut que tu sois son préféré. Jésus veut que tu sois, ce soir, tu sois animé de son esprit. Il veut faire de toi une mise à part. Sache que ce soir, il veut faire de toi une mise à part. C'est pourquoi il prend sa miséricorde. Demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui entièrement pardon. Dis-lui que tu regrettes. Dis-lui que tu regrettes le mal. Dis-lui que tu regrettes la méchanceté. Dis-lui que tu regrettes le péché dans lequel tu es tombé. Dis-lui que tu n'as pas été sincère. Dis-lui que tu n'as pas marché dans la vérité. Dis-lui que tu n'as pas marché dans l'honnêteté. Dis-lui que tu n'as pas été animé de ces sentiments. Dis-lui, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Dis-lui, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Qui est-ce que tu as imité? Qui est-ce que tu as imité? Qui est-ce que tu as imité, mon bien-aimé? Qui est-ce que tu as imité, ma bien-aimée? Seigneur, toute la journée, j'ai imité que Satan, Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et implore sa bonté. Implore sa miséricorde dans ta vie. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner ce soir. Demande-lui de te pardonner ce soir. Demande-lui de te laver ce soir. Demande-lui de te laver ce soir. Implore sa grâce. Que son sang te lave. Demande à ton Dieu de te laver ce soir. De laver ta robe. De laver ta robe ce soir. De laver ta robe ce soir. De te laver. De te sanctifier. De te purifier. De lui ôter tes péchés. De lui ôter tes transgressions. De lui ôter tes manquements. De lui ôter tes iniquités. De lui ce soir de venir à ton secours. De lui ce soir de venir au secours de ton frère. De lui ce soir de venir au secours de ta soeur. Le Seigneur veut changer ton identité. Il veut changer ton identité. Il veut changer ton cœur. Il veut changer ta vie. Il veut faire de toi un ouvrier de Christ. Il veut faire de toi un soldat. Il veut faire de toi un soldat. Il veut faire de toi un homme, un vaillant guerrier. Il veut faire de toi un ouvrier de Christ. Il veut faire de toi un instrument entre les mains de Christ, un instrument entre les mains de Jésus. Il veut faire de toi un instrument. Oh, bien-aimé ce soir, regarde, regarde. Tu as encore besoin. Tu as encore besoin de travailler. De travailler sur ton cœur. De travailler sur tes pensées. Ce soir, prends sa miséricorde. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Tu as dit, Seigneur Jésus. Ce soir, écoute mes supplications. Viens à mon secours. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Tout ce qui m'empêche de te ressembler. Seigneur Jésus, tu vois tous les sentiments. Tous les sentiments qui ont traversé mon âme. Tu les connais. Seigneur Jésus, tu sais que ces sentiments ne t'ont pas honoré. Je n'ai pas été animé des sentiments qui sont en toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne t'ai pas imité. Je ne t'ai pas imité. Voici pourquoi je pleure devant toi. Voici pourquoi je te supplie ce soir. Lave-moi complètement. Lave-moi entièrement. Lave-moi totalement. Change ma robe ce soir. Retire-moi
la boue, le péché, la souillure, retire à moi, l'impureté, retire à moi, retire à moi, retire à moi, la méchanceté, l'iniquité, la jalousie, l'animosité, les querelles. Seigneur Jésus, retire-les-moi, 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 change mon cœur, 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 change mon cœur. Ô Éternel, ô Éternel, c'est à toi que je crie, c'est à toi que je crie. Tu as dit, si nous venons à toi, si nous confessons nos péchés, si nous les avouons, et nous les délaissons, nous allons obtenir miséricorde. Ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Use de bonté envers moi. Regarde à ta miséricorde. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi entièrement. Lave-moi entièrement. Retire le péché qui est en moi. Et que ton sang me lave. Et que ton sang me purifie. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de reprendre son esprit sur toi avant de passer à autre chose. Tu as dit, Seigneur, reprends ton esprit sur moi maintenant. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reprends ton esprit sur moi. Reprends ton esprit sur moi. Bien aimé, demande au Seigneur de reprendre son esprit. 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 Tu vas dire, Seigneur Jésus, envoie ton feu dans tout mon corps pour dévorer ce soir la lourdeur, la lourdeur, l'assoupissement, les vilains sentiments. Par ton feu, embrasse-les, 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 embrasse-les. Seigneur Jésus, viens, 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 ravage. Ravage, ravage tous les sentiments qui sont liés à la chair, qui sont liés à la chair, qui sont liés à la chair, les sentiments qui sont liés à l'homme. Retire-les de moi, Seigneur. Embrasse-les, Seigneur. Embrasse-les, Seigneur. Embrasse-les, Seigneur. Embrasse-les, Seigneur. Par ton feu, par ton feu, par ton feu, consume, consume tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est de la chair, la colère, les querelles, les mauvaises pensées, les murmures, embrasse les Seigneurs, 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 que ton feu dévorant, que ton feu dévorant descend et dévore la lourdeur, la lourdeur, la lourdeur, la tiédeur, l'assoupissement. Seigneur Jésus, viens et embrasse-les, et embrasse-les, et embrasse-les, et embrasse-les. Ne laisse rien de souillé à moi, ne laisse rien de souillé à moi, ne laisse rien de pur à moi, ne laisse rien de pur à moi. Ce soir, je crie à toi, papa, je crie à toi, papa, je crie à toi, papa, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu, et embrase les chèvres des ténèbres, les chèvres de la chair, embrase, 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 embrase tout ce qui vient du monde des ténèbres, du monde des ténèbres, des esprits purs, de Satan et de ses démons. Embrasse-les ce soir, embrasse-les ce soir, embrasse-les ce soir, embrasse-les ce soir, embrasse-les ce soir. Par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, dévore, 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 dévore la lourdeur, la lourdeur, la tiédeur, la tiédeur, l'assoupissement, dévore, dévore les chagrins, dévore, dévore la colère. Seigneur Jésus, répands ton feu, 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 répands ton feu sur tout ce que ne glorifie pas ton nom dans ma vie ce soir, dans ma vie ce soir. Seigneur Jésus, vois les mauvais désirs,
Vois les mauvaises pensées. Vois les mauvaises pensées. Pas ton feu. Embrase-les. Pas ton feu. Ravage-les. Pas ton feu. Consume-les. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi. Donne-moi ce soir la victoire, la victoire, la domination sur tout ce que vient de Satan, tout ce que Satan et ses démons ont préparé dans ce moment. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout œil de la sorcellerie, tout œil de la sorcellerie, tout œil de la sorcellerie, prends feu, 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 prends feu. Au nom puissant de toi, tu as tenu le coup. Tu as dit Seigneur Jésus, tout manteau de sorcellerie qui a été déposé quelque part avant, avant, avant que cette réunion ne commence. Ô Éternel, envoie ton feu, localise ce manteau, et tes seigneurs, ton feu de sang, pour embrasser tout manteau de sorcellerie, tout manteau de sorcellerie, tout manteau de sorcellerie, tout âme de la sorcellerie, toute flèche de la sorcellerie, toute flèche de la sorcellerie, prends feu, 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 au nom puissant de Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton nom, par le pouvoir de ton nom, toutes les entités qui sont dans le deuxième ciel, qui sont dans le deuxième ciel, qui se sont levées dans ce moment, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je marche, je marche, je marche sur les règnes, sur le pouvoir, sur le pouvoir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute entité qui se lève dans ce moment, dans ce moment, sois sur mes pieds, 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 au nom puissant de tout esprit méchant, tout esprit assassiné, tout esprit méchant, tout esprit impur, les dominations, les principautés, les démons de haut rang qui se sont levés dans cette assemblée chrétienne. Les rétinés sont dans les lieux, reculés dans les cimetières, sous la terre, sous la mer, en ce moment même, en ce moment même, pendant que je parle, mais que ton feu les localise, que ton feu les embrase, que ton feu les embrase, que ton feu les localise, 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 feu, 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 qui se sont levés dans ce moment, dans ce programme, nous avons tout au feu. Feu, 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 feu sur la reine, 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 que tout esprit méchant qui s'est levé dans ce moment pour alourdir, pour voir le sommeil, pour voir la tristesse, pour voir le découragement, pour voir la mort, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu dans la base, nous envoyons le feu dans le camp, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, 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 feu. Pendant que nous battons les mains, pendant que nous battons les mains, le feu les embrasse, le feu les
pour les esprits méchants qui se sont associés, qui se sont coalisés pour venir dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'un tourbillon de feu, des sanctions, et commence à les embraser, pendant que je parle, tonnerre, foudre, sa passion, au nom puissant de Seigneur Jésus, ce soir, équipe-moi, équipe mon frère, équipe ma soeur, équipe mon frère, équipe ma soeur, ce soir, viens nous équiper, viens nous revêtir, viens nous équiper, des âmes faciles. Des hommes de facile. Seigneur ce soir, que ta parole dans notre bouche soit du feu, et que tous nos ennemis, soit du bois, que nos ennemis soient du bois, et que ta parole dans notre bouche soit du feu, au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur, tu vas dire Seigneur Jésus. Voici mon cœur, dispose mon cœur, ce soir, pour t'écouter, voici mon cœur, Seigneur Jésus, retire la distraction, retire le sommeil, retire la lourdeur, retire tout ce qui peut m'empêcher ce soir. Retenez ce qui peut m'empêcher ce soir de t'écouter attentivement. Seigneur, retire de mon cœur. Retire du cœur de mon frère. Retire du cœur de ma soeur. Et que toute la gloire te revienne. Tu vas acclamer tes chants au Seigneur. Bien-aimé, je dis acclamer Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Shalom à ton frère, tu vas dire shalom avant de passer. Salut.
patience pour le patience de ce soir. Que le patience de l'humilité soit présent ce soir. C'est le résultat. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes,
Il dit, sois enfant. Dieu dit, sois jeune fille, jeune gens, maman. Alléluia. Nous devons être tous tes disciples. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher des hommes ou des femmes, mais non pas des enfants. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher des hommes ou des femmes, et non pas des enfants. Alors on va prendre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Tu comprends quelque chose là-bas. 1 Corinthiens chapitre 13, je crois bien, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez très bien la parole de Dieu. Le verset 11. C'est ça. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Maintenant que je suis devenu disciple. Je fais disparaître. Ce qui était de l'enfant. Ce qui était de l'enfance. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend tout le monde avec nous? Parce que lorsque tu es enfant, bien-aimé, un enfant ne sait pas quoi dire. Un enfant a du mal à s'exprimer. Il a du mal à évangéliser. Un enfant a du mal à partager la parole de Dieu. Un enfant a du mal à manifester les dons spirituels. Un enfant a du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Parce qu'il pense comme un enfant, il raisonne comme un enfant, il voit comme un enfant, il joue comme un enfant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons comprendre que nous devons être tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va prendre Matthieu chapitre 28. Verset 20. Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, le verset 20. C'est ça. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Verset 19 d'abord. Oui, si tu veux. Matthieu 28, verset 19 à 20. Écoutez très bien la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations. Mais si nous ne sommes pas des enfants qui peuvent accomplir cette parole. Écoutez très bien la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations. Et faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Regardez bien. C'est là maintenant l'exercice ou bien le rôle d'un élève qui a été disciple maintenant doit se matérialiser. Il doit se manifester maintenant. Il dit enseignez-leur. À observer, à respecter tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que le Seigneur les a enseigné lorsqu'il était avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. 2 Timothée chapitre 1, 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes qui sont très fidèles. Qui soient capables de l'enseigner. C'est-à-dire qu'ils soient prêts pour pouvoir enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui manques de zèle, toi qui manques de zèle d'évangélisation, assis-toi très bien. Ou toi encore, tu es là, tu joues avec un peu, t'as dit, tu joues avec ton péché, non, parce que comme le péché est devenu comme un jeu, tu joues avec ça, donc du coup, tu ne te vois pas en train d'évangéliser. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas propre. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Ce que tu as entendu de moi, en présence de tous, confie-le à des hommes fidèles, qui sont aussi capables d'enseigner à ceux. Alléluia. Bien-aimé. Lorsque nous venons à l'église, nous ne devons pas faire ce qu'on appelle quoi? La service moutonnière. Alléluia. Je répète. Lorsque nous venons, c'est ça non? Lorsque nous venons à l'église,
on ne doit pas faire ce qu'on appelle la service moutonnière. Ça dit, tu viens à l'église comme ça parce que tu viens à l'église. Tu viens, tu t'assois. On dit amen, tu dis amen, tu vas à la maison. C'est fini, tu dors, tu rentres, tu fais rien. Ce n'est pas ça. Un chrétien qui ne grandit pas ne peut pas aller au ciel. Amen. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de pénible pour l'ami. Mais qui est bon. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est né ne peut pas aller au ciel. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où on était enfant. Il y a un temps où on est jeune. Et il y a un temps où on devient adulte. Alléluia. Un enfant ne va pas toujours demeurer enfant. La preuve est que lorsqu'un enfant vient de naître, dans les premiers temps, il est à la mamelle. Alléluia. Quelques mois à venir, l'enfant commence à s'asseoir. Après mois à venir, l'enfant commence à faire quatre pattes. Alléluia. Amen. Mais si vous remarquez qu'il y a un enfant, il y a des enfants souvent, ils vont laisser quatre pattes là jusqu'à. On dit non. Il est, je ne sais pas, on appelle ça comment. Il est handicap. Alléluia. Il y a un problème de sa vie. Toi, chrétien, ça te fait 5 ans. 5 ans. Dans l'église de Dieu, tu ne changes pas ta manière de faire. Ça dit, tu ne changes pas ta manière de te comporter. Ça dit, c'est comme tu as un handicap spirituel. Cet handicap-là peut aussi être un péché. Pourquoi? Prenons Romains chapitre 2, verset 17. On va comprendre quelque chose. Romains chapitre 2, verset 17. Romains 2, verset 17. Écoutez bien. Toi qui donnes le nom de Dieu. Toi qui te donnes le nom d'un chrétien là. Qui te répond sur la loi. Ça veut dire que tu prends plaisir à lire la parole de Dieu. Qui te glorifie. Tu te glorifies de Dieu. De Dieu. Écoutez bien. Qui connaît sa volonté. Tu connais très bien la parole de Dieu et sa volonté. Tu apprécies la différence des choses. Tu apprécies la différence des choses. Étant instruit par la loi. Tu es instruit par la parole de Dieu. Toi qui te frappes d'être le conducteur. Tu te trompes d'être le conducteur. Des aveugles. Des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Tu prétends que tu es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que étant lumière, normalement, ou en temps normal, tu dois prier. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, parenthèse. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Matthieu 5, le verset 13. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Mais si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Alors 14. Avec quoi lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne. Et une ville qui est aussi située sur une montagne. Ne peut être cachée. Ne peut jamais rester cachée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Un enfant de Dieu. Là où il y a l'obscurité. Là où il y a les ténèbres. Lorsque le nom de Dieu met son pied, il est la lumière. Amen. Il n'y a pas d'un véritable enfant de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Nous devons être des fous et des voix de Jésus. Nous devons être des fous et des voix de Jésus-Christ. C'est très important. Nous devons aller à une autre dimension. Amen. Je vous dis la vérité. Regardez bien. Le Seigneur m'a donné une parabole. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 6, on va lire. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus m'a dit dans cette parabole. Luc chapitre 13, verset 6, 7, 8. Luc chapitre 13, écoutez très bien la parabole. Verset 6, 7 et 8. J'ai la parole dit. Il dit aussi cette parabole. Je lui dis aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Un homme, quand la Bible parle d'un figuier,
un arbre. Alléluia. Amen. Dans les saintes écritures, l'homme est comparé à un arbre. Amen. Et peut-être aimer la parole de Dieu. Dans les saintes écritures, l'homme, Dieu compare l'homme à un arbre. On continue. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Oui. Et il n'en trouva pas. Et il n'en trouve jamais. Alors il dit au vigneron. Alors dit au vigneron. Voilà 3 ans. Voilà 3 années. Que je viens chercher du fruit. Et elle est celle-là, elle est chrétienne ou nous, elle est chrétienne. Que je viens chercher du fruit. Que je viens chercher du fruit. À ce figuier. À cette personne-là. Je n'en trouve plus. Mais jamais elle peut avoir du fruit. Et plus. Je dis au vigneron de couper ça. On continue. Pourquoi occupe-t-il de la paix inutilement? Ça veut dire quoi? Alléluia. Allez. Lorsque toi et moi, nous sommes sur la terre, et que nous avons reçu la parole de Dieu, nous sommes comme des arbres qui doivent porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des arbres qui doivent porter des fruits. Si nous sommes des arbres stériles, si on peut le dire, je peux le dire ici, si nous sommes des arbres qui ne portent pas de fruits, alors nous sommes considérés comme des fagots. On doit être découpé pour jeter au feu. Feu au feu. Amen. C'est vrai, non? Vrai. On continue. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, il y a préparé à vous-même. C'est quoi, mon Dieu? Je ne sais pas où le Seigneur m'a amené, mais on va revenir. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Nous devons porter des fruits. Il ne faudrait pas qu'on laisse la charge, simplement aux hommes de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous laissons la charge aux hommes de Dieu. Non, moi, je suis simple fidèle. Je suis simple membre de l'Église. Je ne suis pas chantre, ni batteur. Je ne m'assois pas devant. Alors, tout ce qui concerne l'évangélisation, là, ce n'est pas mon problème. Tout ce qui concerne, non, les choses de Dieu, là, ce n'est pas mon problème. On apprend. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Écoutez très bien la parole de Dieu. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 12. C'est ça. Que personne ne méprise ta jeunesse. La Bible dit que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse, oui. Mais sois un modèle. Mais comment tu peux être un modèle si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole. En parole. En conduite. En conduite. En charité. En charité. En foi. En foi. En pureté. Et aussi en pureté. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous devons comprendre une chose. Quand la parole de Dieu parle, ça s'adresse premièrement à tous ceux qui sont appelés ou destinés à l'océan. C'est vrai. Le Seigneur a choisi des sacrificateurs aujourd'hui qui sont à la chair. Qui enseignent un peu. Mais eux, eux aussi, ce sont des hommes, des êtres humains comme toi et moi. La Bible dit ceci, que Dieu ne fait acception de personne. Celui qui a violé la loi de Moïse mourra ou meurt par la déposition de Dieu. Non, mourra sans miséricorde. Ça veut dire quoi? Nous aussi, nous serons jugés sévèrement. Parce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 3, verset 1. Nous serons jugés tous sévèrement. Pourquoi? C'est pourquoi lorsque nous tenons devant la chair, alléluia, nous devons prêcher que la vérité et rien que la vérité. Homme de Dieu, excuse-moi, hein. Je vais te regarder un peu dans Romains chapitre 2. Verset 17 là-bas, un peu en bas, un peu comme ça. Nous devons prêcher la
vérité, c'est très important. On ne se tient pas à la chaîne ici pour raconter sa vie. Mais on se tient à la chair pour prêcher l'évangile de Christ, pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Est-ce qu'on se comprend? On ne se tient pas à la chair. Parce que non, je me tiens à la chair dans le but ou dans le sens de faire plaisir à quelqu'un. Pour qu'on sache que je suis prédicateur. Pour que je sois connu à travers quoi? Les réseaux sociaux. Ou pour que je sois connu à travers le monde entier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous sommes serviteurs de Christ et servants de Christ pour que notre vie soit un témoignage au milieu des païens. Alléluia. Terminons le jour de Messie, nous remets là. Romains chapitre 2, verset 18, comme ça. Il y a quelque chose de très important là. Le verset 18. C'est l'ensemble de Dieu là. Non. Romains chapitre 2, verset 7, non. 18 comme ça. Voilà. Okay. Et que je vois, c'est le principe du verset 17. C'est ça. Toi qui te donne le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Oui. Toi qui te flattes d'être le conducteur des affaires, c'est ça. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, c'est ça. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Oui, écoutez maintenant. Toi donc qui enseignes les autres. Toi donc qui enseignes les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc toi-même là-haut. Tu ne t'enseignes pas toi-même quoi? Toi qui prêches de ne pas dérober. Toi qui enseignes de ne pas voler. Toi qui enseignes de ne pas voler. Oui. Tu voles. Tu es un grand voleur. Toi qui dis. De ne pas commettre d'adultère. De ne pas commettre d'adultère. C'est une adulté. Toi qui as en abomination les idoles, c'est ça. Tu commets des sacrilèges. Oui. Toi qui te fais une gloire de la loi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour se faire une gloire. Tu prêches l'évangile de la prospérité. Tu prêches l'évangile de la chair. Hein? La doctrine liée aux choses terrestres. Tu te fais une gloire. Toi qui te fais une croix, allons-y encore, tu veux la loi, c'est ça. Tu déshonores Dieu. Dieu dit que toi tu es un déshonneur. Par la transgression de la loi. Par la désobéissance de la parole de Dieu. Car le nom de Dieu. Regardez bien. Car le nom de Dieu est à cause de vous. Et à cause de toi et moi. Blasphémé parmi les païens. Ce n'est plus considéré. C'est-à-dire, tu ne donnes plus de la valeur à Dieu par ton comportement, par ton attitude. Par ta manière de vivre, même par ton style vestimentaire, aussi même par ta manière de parler, le nom de Dieu est blasphémé. Alléluia. Amen. Lisons tout chapitre 2, verset 3 à 6. Tout chapitre 2, écoutez bien, le verset 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Dis que les femmes agissent. La Bible dit que, regardez bien, on dit que dit que les femmes agissent doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Je vais quand même poser ici. On va aller au verset 4. La Bible dit que les femmes agissent. Oh, il y a des personnes qui sont dans l'église avec plus de 5 ans, mais ne sont pas encore agis. Alléluia. Une personne âgée, bien aimée, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a une prise de conscience. Il ne minimise pas les choses de Dieu. Il ne néglige pas les choses de Dieu. Il prend les choses de Dieu à cœur. Il ne considère pas ses propres intérêts.
considère ceux d'autrui. Si l'église est remplie, qu'elle est bas, gloire à Dieu. Mm. Alléluia. Amen. C'est ça où une personne agit. Une personne âgée, c'est celui ou celle qui a de l'expérience, qui n'a pas honte d'annoncer l'évangile, qui n'a pas honte de pratiquer la chasteté, qui n'a pas honte de pratiquer la vie de sanctification, qui n'a pas honte d'exhorter, qui n'a pas honte d'enseigner les jeunes filles, ou aussi enseigner les jeunes gens. C'est ça d'une femme âgée. Lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons, c'est un peu vice-versa. Les hommes sont concernés, les femmes à l'intérieur sont concernées. Amen. On continue encore. Ni médisance. La Bible dit que également les hommes et les femmes doivent être médisants. Non. Ni adonner au vin. Il ne doit pas toucher même à l'alcool. Elle doit donner de bonnes instructions. Mais les femmes et les hommes, les jeunes gens et les jeunes filles doivent être en mesure de donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, dans le monde où je dois être dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leur mari et leurs enfants et leurs propres enfants. Les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs. Les mamans et les papas. Les mamans et les papas. Amen. Et également aussi les grands-pères. Amen. Retenus. À être retenus. La Bible dit que les hommes et les femmes doivent se retenir. Chaste. Dans la chasteté. Occupés aux soins. Ils doivent être occupés aux soins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe 31 que la femme vertueuse ne mange pas le pain de la paresse. Santé. Occupée aux soins domestiques. Alléluia. Bonne. Elle doit être bonne. Oui. Soumise à leur mari. Alléluia. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Comprenez quelque chose. Je dis que quand je parle comme ça, je parle vice versa. Soumise à leur mari. Alors nous savons tous que nous sommes quoi? L'épouse de Christ. Donc le premier mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le second mari, c'est celui qui est à la maison. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la Bible parle de soumission? La Bible dit ceci. De même que l'église est soumise à Christ, c'est ainsi que les femmes doivent aller au salut mari. Tout enfant de Dieu, que ce soit homme ou femme, refuse de se soumettre à la parole de Dieu de mon mari, j'ai dit que ton, elle est belle. Et toute femme, c'est pas qui watch. Ephésiens 5, verset 22. Oui, on va le mettre là. Femme, la Bible dit que femme, soyez soumise à vos maris. Soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Vous pouvez très bien. Comme Christ est le chef de l'église. Ici là, on met un gros croix à toutes les femmes qui se disent pasteurs. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit que femme, soyez de même soumise à vos maris, car le mari est le chef de la femme, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire quoi? La preuve en est que c'est quoi? La nature même nous enseigne quelque chose. Lorsque tu as un robinet chez toi à la maison, que tu veux boire de l'eau, on considère que le robinet est considéré comme le chef. Alléluia. Amen. Et le récipient est considéré comme la femme. Donc, le récipient va se soumettre au robinet. Lorsqu'on ouvre, on rentre dans le récipient. Amen. Alléluia. Amen. Même la nature encore doit nous enseigner ces choses. Tu ne vas jamais voir une poule au-dessus d'un peuple.
ça n'existe pas. Amen. J'ai dit ici, amen, gros quoi, si la femme qui enseigne, il va passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans même tout chapitre 2, on en a fait combien? 5, verset 6. Alors, on en a 6. Regardez bien, la création là-bas, il y a des choses qui sont partagées là-bas. Exhorte même les jeunes gens. Voilà. Exhorte même les jeunes gens à être modérés. Ça dit, vous devez être modérés. Te montrer toi-même. Maintenant, te montrer toi-même, ça dit, toi, homme de Dieu qui prend l'évangile là. À tous égards. À tous égards. Un modèle de bonne œuvre. Je peux aussi être un modèle de bonne œuvre. Alléluia. Bien-aimé. J'aimais un point juste. Je ne peux pas parler d'un modèle de bonne chose. Alléluia. Amen. Nous considérons que lorsque les hommes de Dieu sont à la chaîne ici, alléluia, ce qu'ils sont, si je peux me mettre à quoi, c'est ça non? Amen. C'est ce qu'ils transmettent au peuple. Ce qu'ils sont là, c'est ce qui me donne l'attitude, le comportement. C'est ce que le peuple de Dieu copie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 à 18, et tout ce que la Bible va dire. 1 Corinthiens 16, 4, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. C'est ça. Je lis la parole de Dieu. Prions de Dieu. Je vous en conjure donc. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Soyez donc mes imitateurs. Pour cela, mais pour que vous soyez mes imitateurs, je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée, mon fils dans la foi. Qui est mon enfant bien-aimé. C'est ça. Et fidèle dans le Seigneur. Et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelques sons. Timothée va vous rappeler. Quelles sont mes voix? Quelles sont mes attitudes? En Christ. En Christ. C'est-à-dire comment je vis. Telle est la manière dont. Et aussi quelle est la manière dont. J'enseigne partout. Ça veut dire je prêche, j'enseigne dans toutes les églises que moi je parcours, Paul. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. 1 Timothée 1, verset 3. Il est là, il est là. Les hommes de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Je te rappelle. Regardez, Paul dit à Timothée, je te rappelle. L'exhortation que je te confie. À mon départ, pour la Macédoine, lorsque moi, Paul, je t'engageais, à rester à Éphèse, afin de prescrire, à certains serviteurs de Dieu, de ne pas prêcher tout enseignement, et de ne pas s'attacher, oui, à des fables, et à des généalogies, sans fait. Produis-toi des discussions plutôt qu'on avance l'œuvre de Dieu. C'est pas ça que dans la foi. Amen. Voilà que gloire à Jésus. C'est pas ça que Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je vous dis la vérité. Nous devons faire tous nos efforts pour être des modèles. Amen. Alors. Jean chapitre 1, verset 22. Jean chapitre 1, verset 22. Le verset 22, simplement. Jacques chapitre 1, le verset 22. C'est ça. Je lis la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Donc le plus important, hein, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter simplement. En vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Amen. Amen. Bien-aimé. Il ne s'agit pas d'écouter la sainte doctrine et
vie n'est pas portée de fruits. Alléluia. Lorsque nous lisons pris la parabole des talents, on peut lire. On peut dire. On peut lire la parabole des talents. Matthieu 24, tu crois bien. Matthieu 24, si je ne me trompe pas. Matthieu 24, c'est dans Matthieu 24. La parabole des talents. Nous devons porter des fruits. Merci. Merci. Matthieu 25, 24. 25, ok. Matthieu verset 14. Merci, homme de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 14. Mm. Il en sera comme un homme. La Bible dit qu'il en sera comme un homme qui partant pour un voyage. Qui partant pour un voyage. Appela ses serviteurs. Il appela ses serviteurs. Il a remis ses pieds. Il a remis ses pieds. Il donna 5 talents à l'autre. Il donna 5 talents à l'autre. À l'autre. Et deux à l'autre. Et au troisième. Regardez bien. Et un au troisième. À chaque un, il y a deux. Non. Un. Il y a cinq. Deux. Il y a cinq. Cinq. Il y a cinq. Il y a deux. Il y a un. C'est ça, allons-y. À chacun selon sa capacité. Bon, regardez, faisons bien la remarque. Tu ne donnes pas quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui sera comme un fardeau sur lui. Mm. Non. Nous sommes tous utiles dans l'assemblée des saints. Alléluia. Chacun a un rôle précis à jouer. Chacun a un temps spécifique que Dieu lui a accordé, qui est utile dans l'assemblée des saints. Alors c'est pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas te sous-estimer. Parce que ce que tu considères petit là, la Bible dit que l'un des ceux qui ont reçu le talent, il y a un qui a reçu un talent. Mais regardez ce qui va se passer. On continue. Au verset 16. Mm-hmm. Aussitôt, oui. Celui qui avait reçu les cinq talents, c'est ça. S'en alla. Il s'en alla. Le fit valoir. Il a commencé à évangéliser. Et il gagna 5. Et puis il a gagné 5 âmes pour Christ, pour le Seigneur. De même, celui qui avait reçu. Celui qui avait reçu les deux talents. Les deux autres talents. En gagna 2 autres. Il avait reçu comme l'autre. Celui qui avait deux talents aussi. Amen. Oui. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent. Regardez bien. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul don. Fait un creux. Il a creusé un gros trou dans la terre. Et tabac. Et cacha l'argent de son maître. Et puis il allait cacher le talent que Dieu lui a donné dans ce trou. On continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Oui. Et les fit rencontrer. C'est ça. Celui qui avait reçu les cinq talents. Celui qui avait reçu les cinq talents. Vous devez. Cela va comprendre que le salut se paye. La Bible dit que. Ces personnes étaient des serviteurs. Et chacun avait reçu le talent selon sa capacité. Alléluia. Amen. Selon sa dimension. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà du talent que Dieu lui a donné. Donc il doit travailler pour multiplier. Il doit être un arbre fécond. Non un arbre stérile. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Celui qui avait reçu les cinq talents, oui, s'approcha, oui, et apporta cinq autres talents. C'est ça. Et il dit, oui, Seigneur, tu m'as remis, oui, voici j'en ai gagné cinq autres. C'est ça. Son maître lui dit, c'est bien. Bon, non, tu es fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu étais fidèle en peu de choses. Alors je te confirme pour entrer dans la joie de ton maître. Je te dis, entre au paradis. Celui qui avait reçu les deux maîtres. Celui qui avait reçu les deux talents. S'approcha aussi. Il s'approcha devant le Seigneur. Seigneur Jésus, tu m'as remis tes talents. Tu m'as remis tes deux talents. Voici, je l'ai gagné. Voici, j'ai travaillé, j'ai gagné deux encore. Deux autres. Oui. Son maître lui dit. Son maître lui dit, c'est bien. Bon. Et fidèle, c'est bien. Tu étais fidèle. Tu as perdu à deux talents que je te
promis. Je te confierai beaucoup. On continue. Entre dans la joie de ton mère. Regarde ce qui va se passer. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Celui qui avait reçu qu'un seul talent. S'approcha ensuite. Il s'approche ensuite. Et il dit. Et il dit à son maître. Seigneur, Jésus, je savais que. Non, je sais que. Tu es un homme dur. Tu es un homme qui est persévéré. Tu moissonnes. Tu plantes. Où tu n'as pas semé. Où tu n'as même pas semé. Et qui amasse. Et qui récolte. Où tu n'as pas valu. Où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Il est regardé. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et je suis allé cacher. J'ai eu honte. Et je suis allé cacher. Si l'évangéliste me dit, j'ai eu honte. Elle évangélise. J'ai eu honte. Elle a peur d'avoir l'évangile. J'ai eu peur. Donc j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc d'aller prier pour les malades, t'as eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour d'aller pour le diable. J'ai eu peur de te prier. Pourquoi? J'ai peur qu'on te persécute. Critique. Et toi, dis-moi, t'es devenu fier. J'ai eu peur d'être critique. J'ai eu peur d'être calomnié. J'ai eu peur d'être médiatisé. J'ai eu peur d'être rejeté. J'ai eu peur d'être rejeté. Alors, regarde. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici pas ce que t'as fait. Alors, Seigneur, voici. Je ne mentis mon talent. Je ne mentis pas. Pourquoi vous allez? On continue. Son maître lui répondit. Alors son maître qui l'a créé lui dit maintenant. Serviteur méchant. Toi qui es serviteur qui est très méchant. Et paresseux. Tu es ingrat, tu es paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé. Il n'a même pas le courage pour se lever à 4h du matin pour prier. Et que j'amasse ou je n'ai pas vu. Je trouve que si j'aime là, il va maigrir. Ah. Il n'est même pas prêt. Elle n'est même pas prête pour intercéder pour l'église. Ça lui était méchant, paresseux, oui. Il te fallait donc remettre mon argent. Mais il te fallait mettre mon argent, ah, peut-être où ça? Au banquier. À la banque, on ne sait jamais. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Ce qui est à moi? Avec un intérêt. Peut-être avec un intérêt, on ne sait jamais. Au verset 28. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui de l'étranger. À celui qui en a plus de talent. Car on donnera à celui qui en a. Comme toi, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler, non? Moi, j'ai travaillé. C'est-à-dire que si je donne l'autorisation, tu me donnes un peu de révélation. Quand tu vas demander, tu es paresseux. Si je donne ici, si je donne de miracle, je jette encore, je prie. T'as dit à ça, tu ne travailles pas. Tu vas me donner encore de prophétie. Amen. C'est comme ça. Car on donnera à celui qui en a. On donnera à celui qui en a. Et il sera de l'abondance. Il sera bien rempli. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui est paresseux là. On mettra même ce qu'il n'a. Même le peu qu'il croit avoir. On mettra même ce qu'il n'a. Il faut l'arracher ça. On mettra même ce qu'il n'a. Il faut l'arracher ce qu'il pense posséder. Et le serviteur inutile. Mais le serviteur qui est paresseux, qui a dit qu'il est. Qui est un arbre qui occupe la terre inutilement là. Jette-le dans les ténèbres. On va le prendre, le saisir et le jeter dans les ténèbres. Du dehors. Où il y aura des pleurs. Et où il y aura des pleurs. Et des graissements de dents. Et des graissements de dents. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Est-ce que tu veux être obéissant pour le Seigneur? Je vous dis la vérité. Bien-aimé, j'avais dit quelque chose. Quand nous le voulons ou pas, nous sommes dans l'obligation de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu veux, tu ne veux pas, tu es dans l'obligation. Mais si pour toi ce n'est pas une obligation, mange, bois, rejoins-toi. Mais sache que pour tout cela, ton Dieu t'appellera au jugement. Amen. Tu peux ignorer que Dieu existe. Tu peux ignorer que l'enfer existe. Tu peux ignorer que le paradis existe. Mais le rendez-vous de la mort, tu ne peux pas échapper. Vérité. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de mourir. Le vrai problème là, c'est le savoir ce que mon ami dit. Question. Après la mort. Il dit,
pleurs et des grincements de dents. Des deux chocos. Des deux chocottes. Dieu fait rien ça. Romains chapitre 2, verset 13, dis quoi? Romains chapitre 2, le verset 13. Tiens ça. Car ce ne sont pas en effet. La Bible dit que ce ne sont pas en effet. Ceux qui écoutent la loi. Ceux qui prennent plaisir à écouter seulement la parole de Dieu. Devant Dieu. Ou qui sont justifiés devant Dieu. Mais ce sont ceux. Mais ce sont ceux. Qui la mettent en pratique. Qui font le fort pour pratiquer. Qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Et qui t'a compris? Amen. La justification de la foi viendra. Par la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. Le verset 5. C'est ça. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant là, si tu vas le ciel, tu dois faire mourir les membres qui sont sur la terre. Qui sont, tu sais quoi? L'impudicité. Les rapports sociaux hors mariage. Oui. L'impureté. La pornographie. La convoitise des cieux. Et la convoitise de la chair. Les passions. Toi, tu passes ton temps à aller sur TikTok. Distraction. Alléluia. Amen. TikTok, 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 20h. 21h, 22h. Seigneur, je dis. Amen. Seigneur, je dis. Amen. Je parle. Quel esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir une intimité lorsque tu passes tes heures et tes heures sur les réseaux sociaux. Vérité. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là sont les cieux placés. Vérité. Continue mon Dieu. Les mauvais désirs. Voilà. Tu es là comme ça, tu n'es pas marié. Mais tu sais, mon désir. D'aller commettre l'impudicité. Aïe. Tu es là comme ça, tu n'es pas marié. Mais tu sens, tu sens une forte pression qui te presse. Au point où ça t'amène à la masturbation. Et tu es là comme ça, tu sens des mauvais désirs qui te poussent à la pornographie. Tu es là comme ça, tu sens un faux désir pour boire la bière. Tu es là comme ça, tu sens un faux désir pour te mettre en colère. Le mauvais désir. Continue. Et la cupidité. Dans notre version, tu peux dire là, on appelle ça la Paris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, nous tous sommes des petits. Amen. Mais pour donner à Dieu même ses problèmes, on n'a pas. Alléluia. Donc aussi concerné. On n'a pas. On est gourmand. L'amour de l'argent. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Verset 4. C'est 4. Je ne me trompe pas, c'est 4. Je crois que si je ne me trompe pas, 1, 4, 5. 5, 1, 4, 5 pour moi. C'est 5, non? Parce que 4, c'est devenu conjugal. C'est 5, c'est 5. On me donne 5. Ok. Ok. Hébreux chapitre 13, verset 5. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour. Ne vous livrez pas à la cupidité. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais vous te contentez de ce que tu as. Car Dieu lui-même a dit. Parce que Dieu lui-même a dit. Je ne te blesserai pas. Je ne vais pas te blesser. Ma fille. Et je ne t'abandonnerai pas. Je ne vais jamais te laisser mourir de faim et de soif. C'est donc avec assurance que nous. C'est donc avec assurance que je peux dire. Le Seigneur est mon aide. Mon Dieu est mon soutien. Je ne crains de rien. Je n'ai pas peur de quelque chose. Que peut me faire un homme. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. À cause de la cupidité. Regardez ce qui s'est passé dans l'église.
1 Timothée chapitre 6, verset 3, jusqu'au verset 11. À cause de l'amour de l'argent, regardez ce qui va commencer à se passer dans les assemblées. Soit disant chrétien. 1 Timothée 6, 3 à 11. Verset 3 au verset 11, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, à cause de l'amour de l'argent, il y aura des personnes qui vont commencer à prêcher. Tu vas te marier. Je te vois, je te vois, je te vois. Je vois une femme ici. Elle a bleu et rouge. Son mari en France. Viens vers nos France. Tu vas voir, l'onction de la prospérité va descendre sur toi. Reçois, 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 reçois. À cause de l'amour de l'argent, la Bible dit que si quelqu'un enseigne, ils vont commencer à enseigner des fausses doctrines, des fausses enseignements. Et ne s'attachent pas aux. Et puis ils ne vont pas s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus. À la sainte doctrine de Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine de Christ va être basée à la piété. Alors quand on parle de la piété, on parle de la sanctification. Tout homme de Dieu, ou tout homme, ou tout soi-disant, homme de Dieu, qui prétend dire, je suis autant prophète, autant pasteur, autant bishop, archibishop, qui refuse de prêcher la piété, la sainteté, est un orgueilleux vérité. Amen. On continue. Au verset 4, c'est ça. Il est enflé d'orgueil. Voilà qu'il est là. Il ne sait rien. Et puis il est ignorant. Et il a la maladie des questions. Il a la maladie des questions. Non, vous la mettez pas. Non, il ne faut pas emporter. Je peux, je ne peux pas. Mais vous aussi, nous sommes sur la grâce. Il va falloir mettre un pantalon quoi. Vous aussi, vous donnez là encore. C'est péché quoi. Ils ont la maladie des questions oiseuses. Et des disputes de mots. Ils ont des débats inutiles. Vous laissez l'envie, les querelles. Vous ne pouvez pas mettre pas faux quoi. Les calomnies. Vous en chasserez trop. Vous laissez l'envie, les querelles et les calomnies. Les mauvais soupçons. Non. Les 20 discussions d'hommes. Il n'y a pas de force, il prêche quand même. Et ils sont faits avec un talent, il n'y a pas de quoi. Il prêche quand même. Et il y a quoi de monde à l'église même. Le mauvais soupçon. Continue. Les 20 discussions d'hommes. Des 20 discussions d'hommes. Corrompus de vérité. Ils sont corrompus d'entendement. Privés de la vérité. Ça veut dire là, ils sont privés de la vérité. Ils croient la parole de Dieu, mais ils refusent d'enseigner la parole de Dieu. Donc ils sont privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de paix. Mais ils pensent qu'être chrétien ou pasteur, c'est un moyen de se faire l'âge. C'est en effet une grande source de paix. Tu ne comprends pas que la piété avec le content de sentir la Dieu béni. Mais tu dois te contenter. Le contentement là, c'est ça le plus important. Car nous n'avons rien apporté de nous. Bonne précision. De la même manière, Jean pouvait dire. De la même manière que moi, Job, je suis né, produit, je n'ai rien apporté, je vais le bâtir tant que je suis. Amen. Il te l'a donné, il te l'a donné. Apôtre Paul dit aussi, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évité. C'est vrai. Il est aussi raisonnable, c'est normal aussi, que nous ne pouvons rien apporter. Continuons, petit. Si donc, mais, regardez, il dit, mais si donc, nous avons la nourriture, nous avons le manger, et le vêtement, et la peau, le vêtement, cela nous suffira. Cela est très important. Et on dit, amen. Amen. On continue, mon Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voici le problème. C'est-à-dire, ils trouvent que pour eux là, la sainte doctrine est dure. Tombe dans la tentation. Alors, comme ils veulent s'enrichir, ils vont tomber dans la compromission. C'est-à-dire, ils vont compromettre la parole de Dieu. Ils vont commencer à enseigner le mensonge au lieu de la vérité. Comme dans la tentation. Ils voient une sœur qui est assise dans l'assemblée des saints, qui s'est tâtée jusqu'en. Mais ils n'ont pas le courage. Pour aller prendre la sœur avec ton sœur, avec ta mère, ma sœur. C'est 20e Jésus. Mais Jésus n'aime pas la dévotation.
Oh ma sœur, que Dieu te bénisse. Oh, donne ton offrande, amen là-bas. Alléluia. Merci. Oh, la Bible signifie très bien. Ou la Bible précise bien que dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle ni le Père ni le Seigneur. On continue, merci. Au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Ils tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de pays. Et dans beaucoup de pays. Ils pensaient avoir une maison insensée. Avoir une voiture. Hein? Aller dans le coin le plus luxueux. Insensé et pernicieux. Oui. Et pernicieux, c'est ça. Qui plonge les hommes de la ruine. Alors ils sont obligés de ruiner. Et la paix. Ils ont blessé le danger pour ruiner les gens. Pour dépouiller les gens. Hein? Pourquoi encore? Pour t'arracher tes pieds. Ils sont très éloquents. Ils ont une manière de parler. Ils ont une manière de prêcher. Pour toucher ton cœur. Pour te séduire. Pour que tu puisses s'aimer en abondance. Tu vas remarquer parfois que dans ces églises-là, tu as eu à semer. Mais jamais tu es béni. Pourquoi? Parce que tu as semé dans une mauvaise terre. Vérité. Alléluia. Ils vont aller jusqu'à te vendre l'huile. Te vendre l'eau. Pour avoir 500, on commence à 5000 francs. 5000 francs. Quoi c'est là? L'eau de miracle. Alléluia. Amen. Bien aimé, soyez vigilants. On continue. Au verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Donc, tout le monde est riche. Alors, comment vous faites pour être riche? Prêcher l'évangile, la prospérité. Oui. Et quelques-uns de ces hommes de Dieu ont commencé à procéder ça. Ils se sont égarés loin de la foi. Ce qui veut dire qu'au début, ils avaient la foi. Mais ils ont commencé à s'égarer. Le premier jour, ils ont commencé à s'égarer quoi? Le mensonge. Ils ont perdu la foi. Pourquoi? Et se sont jetés eux-mêmes dans les pieds, dans le pied de tournoi. Ils sont obligés. Au verset 11, voilà. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, véritable homme de Dieu. Pour toi, femme de Dieu. Pour toi, servante de l'Éternel. Fuis ces choses. Il faut aimer l'argent. Fuis ces choses. Prêche l'argent. Fuis ces choses. Tu vas faire les offrandes de l'argent. Fuis ces choses. Tu vas prêcher, il ne sait pas quoi, si l'évangile de la prospérité, fuis ces choses. Mais c'est le temps de Dieu. Fuis ces choses. Veux fuir ces choses. C'est pas ça qui est le plus important. Et recherche la justice. Alors, quand on parle de la justice, ça veut dire que toi, te plaît ou te contenter, enseigner la sanctification de la justification. De la justice. Oui. La piété. Tu dois aussi enseigner la sainteté. C'est ça le plus important. La foi. La foi également. La charité. L'amour. La patience. Même si tu prêches que ces cinq membres vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. On remarque que la plupart des hommes de Dieu, ils ont commencé l'évangile, la base. Mais on remarque que ce n'est pas la base que tout est raté. C'est la base. Lorsque maman pasteur, comme je peux dire ici, refuse d'accepter l'humilité, la soumission, alors tu as marié une femme, je les appelle. Tu ne peux plus prêcher la sainte doctrine. Parce que tu es vaincu par Jézabel. Remarquez bien, dans les débuts, ils sont durs.
Mais quand ils voient que c'est chaud, ils vont commencer à tolérer. Tolérer les choses. Le Seigneur va rentrer, ça fait quoi? Hein? Si elle vient s'asseoir, le Seigneur va la transformer, vous aussi. C'est Dieu qui change le cœur. Dieu, là, c'est le cœur. C'est le cœur. Ne cherchez pas les problèmes du Seigneur. Laissez-la, ils vont louer Jésus. Jésus, là, c'est la liberté. Alléluia. Bien-aimé, on doit faire très attention. Alors, on va prendre 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, 4, 5. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, 4 et 5. C'est ça. Je lis la parole du Dieu. Oui. Car il viendra un temps. Voilà. Dieu a précisé très bien qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Ça dit, les prévus du Seigneur là, ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ça veut dire quoi? Le développement, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Ils sont fatigués. Mais ayant la démangeaison, mais ils vont aimer les pasteurs qui prêchent l'évangile, la postérité, d'entendre des choses agréables. Ils vont entendre des bonnes choses. Ils se donneront une foule de alors, ils vont aimer aller chez les pasteurs qui prêchent les choses qui sont conformes à eux-mêmes. Ainsi. Bon aimé. Pour l'amour du Seigneur. Nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. On va prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 12, 13, 14. Le verset 12, 13 et 14. Bien. Ok. À partir du verset 11. Oui, c'est important. Et il a donné les uns comme apôtres. Dieu a donné les uns comme apôtres. Les uns comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les uns comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et comment je peux pasteur ou docteur? Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Pour que l'église soit perfectionnée. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps du Christ. Pour que les prévus du Seigneur soient réellement édifiés. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Oui. À l'utilité, à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous pouvons tous parvenir à l'unité de la foi. C'est-à-dire, maintenant, on n'est plus au lait. Mm-hmm. On a atteint la maturité. Après. On peut voler de nos propres ailes maintenant. Alléluia, continue. Et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas nous tromper au niveau de la doctrine. Non. Quand on voit quelqu'un qui prêche le mensonge, quand on regarde là-bas, on sait que c'est le mensonge déjà. Mm. Alors, on a déjà la connaissance. On continue. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Continuons, mon Dieu. Afin que nous ne soyons voilà. Plus des enfants. C'est la qui peut être. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. C'est-à-dire qu'on flotte, on n'est pas solide. Et emporté à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par quoi? Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Par les ruses. Par là, ils sont très rusés. Dans les moyens de séduction. Vous voyez? Eux, les prédications là, est basée sur le miracle. Les miracles, eux, vont te donner ta carte d'identité. Ils vont te prophétiser même jusqu'à ce que tu es dans la maison. Alléluia. Amen. Au point où ils font délivrance, avec le pied. Aïe. Ils font délivrance même. Avec la tête. Alléluia. Ils font délivrance même. Avec la coude. Aïe. Alléluia. C'est puissant. Par les moyens des solutions. Avec tout que. Afin que vous ne soyez plus des enfants. Flottés. Et emportés. Par tout vent de tortille. Par la tromperie. Par la tromperie des hommes. Ils sont très poussés. Par les moyens de quoi? Séduction. Séduction. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le plus important, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 5. On va trouver grand chose. Matthieu chapitre 5.
où on parle de héros les pauvres d'esprit. Ok. À partir du verset 3. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3. C'est ça. Heureux les pauvres en esprit. Écoutez bien. Écoutez très bien. Car le royaume des cieux est à eux. On dit heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Car le paradis est à eux. Heureux les affligés. C'est bon. Amen. Amen. Pauvre en esprit là-haut. Ça veut dire quoi? On dit heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux là, c'est à eux. On a compris quelque chose. Un pauvre en esprit, c'est un homme ou une femme qui ne marche plus dans la convoitise de la chair. Un pauvre en esprit, c'est un homme ou une femme qui a renoncé au péché. Un pauvre en esprit, c'est un homme ou une femme qui a abandonné la beauté artificielle. Un pauvre en esprit, c'est selon celle qui ne va plus dans les bars. Un pauvre en esprit, c'est celui qui se sanctifie. C'est-à-dire, il se force pour plaire à Dieu. Un pauvre en esprit, amen, il ne se conforme pas au siècle présent. Amen. Un pauvre en esprit, il s'est dépouillé du vieux homme. Un pauvre en esprit, il se charge sa croix et il suit Jésus. Amen. Et si Jésus, amen. Et si Jésus, amen. Il est fatigué, amen. Il ne reste pas à toi, amen. Il se repose un peu, il se lève. Et si Jésus, il continue. La persécution vient, il continue. Ça le fait tomber, il continue. Il est là, il avance. Il n'est pas découragé. Il se relève, il continue. Et si Jésus, il continue. Jusqu'à la croix de Golgotha, amen. C'est ça le point de mon esprit. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 2 à 3, nous avons quelque chose. 1 Jean 4. Bon, faut voir. Ouais. C'est 1 Pierre 4. Pierre 4, chapitre 4. Oui. Le verset 2. C'est ça. Est-ce. Bon, verset 2. Oui. Afin de vivre. La Bible dit afin de vivre. Non plus selon les convoitises. Non plus selon la convoitise des hommes. Mais selon la volonté de Dieu. Mais maintenant, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Romains 13, verset 12, verset 12, si il y a 14, vous le à 14, 12, 13, il y a là-bas. C'est bas. Ok. Verset 2, à 14, ok. Je crois bien que c'est ça. Romains chapitre 13, non. Oui, verset 12, 13, 14. Verset 12, 13, 14. Merci, c'est ça. La nuit est avancée. La Bible dit que la nuit est avancée. Le jour approche. Mais le jour approche très lentement, mais assurément. Dépouillez-nous donc. On doit se débarrasser des œuvres mortes. Des œuvres qui sont liées à l'impudicité. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, on doit renoncer aux œuvres des ténèbres. Et revêtir les âmes de la lumière. Et maintenant, on doit se remettre quoi? Les âmes de la lumière. Les âmes de la lumière. Marchons honnêtement. On dit de marcher honnêtement. Comme en plein jour. Non pas devant les hommes, mais devant Jésus-Christ. Loin des excès. Parce que c'est nous qui sommes les deux les reins. Et de l'ivrognerie. Et font l'austérité de l'ivrognerie. Quand tu es luxure, alors tu aimes les choses luxueuses.
liée à la luxure et de l'impudicité. Alors tu aimes te livrer à l'impudicité. Des querelles. Tu aimes te querer avec tes soeurs, tes frères, et ta sœur, la division, la jalousie, la calomnie. Hein? Les querelles, les palabres, les bagarres. Tu ne pardonnes pas. Tu es insupportable. Allons-y. Des querelles et des jalousies. Des querelles et des jalousies. Regardez bien. Mais revêtez-vous du Seigneur. Mais revêtez-vous du Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la mais chair. Mais n'ayez pas soin de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. Pour en satisfaire les convoitises de la chair. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 7. Éphésiens 5, 7. Le verset 7. N'ayez donc aucune part. La Bible dit que nous et les païens là, ils doivent, tu ne dois. Ils ne doivent pas avoir de part entre nous et entre eux, nous. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en préparation pour le ciel. Nous n'allons pas demeurer éternellement sur la terre. Non. Parce que notre cité à nous, ce n'est pas ici la terre. Amen. Mais nous espérons, nous désirons, nous conspirons par la foi à nos cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit au verset 7. N'ayez donc aucune part avec nous. N'ayez donc aucune part avec les païens. Autrefois. La Bible dit autrefois qu'on était païens. Quand on vivait dans le monde là. Vous étiez ténèbres. On était païens, ténèbres. Et maintenant. Mais maintenant en Christ. Vous êtes lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. On doit aussi marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière. Car le fruit de la lumière. Consiste en toutes sortes de bonté. Va consister en toutes sortes de bonté. De justice. Justice. Et de vérité. Vérité. Examinez ce que la Bible dit au Seigneur. Examinez. C'est-à-dire de prendre trait pour trait. Point pour point. Souper. On doit faire très attention dans la marche de Christ. Lorsque nous marchons, nous devons examiner. Alléluia. Pourquoi? C'est très important. Parce qu'il a dit que la nuit est avancée, le jour approche. Lorsqu'on marche, on doit voir où met les pieds. Lorsqu'on avance, on doit voir. Est-ce que ici on n'a pas regardé nos tirs? Est-ce que ici on n'a pas offensé? Est-ce que ici vraiment on n'a pas, on ne s'est pas emporté par la colère? Alors chaque jour, une repentance continuelle. On se pardonne réciproquement et on avance. Amen. L'amour doit rester, doit demeurer, doit être établi au milieu de nous. Amen. On continue. Car le fruit de la lumière doit consister en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez. Maintenant vous devrez examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point pas. Ne vous participez pas. Ne prenez point pas. Ne vous donnez pas. Ne prenez point pas. Ne profitez pas. Des œuvres infructueuses. Des œuvres infructueuses. Des ténèbres. Des ténèbres. Mais plutôt. Condamnez-les. Vous devez les condamner. Condamnez-les. Condamnez-les. Regardez bien. Vous pouvez remarquer que quelqu'un qui est colérique ne peut pas prêcher sur la colère. Quelqu'un qui est masturbateur ne peut pas prêcher sur la masturbation. Quelqu'un qui est voleur ne peut pas prêcher sur le vol. Pourquoi? Parce que quand il prêche sur le vol, il est condamné. Lorsqu'il vole, il est condamné. Parce qu'il se sent condamné. Ils se sont concernés dans ce qu'ils ont dit. Amen. Nous continuons de Dieu. Oui. Condamnez-les. Car il est quoi? Regardez bien. Condamnez-les. Car, oui. Et verset 12. C'est ça. Car il est honteux. Car il est très honteux de dire ce qu'il faut en secret. De raconter ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné là est manifesté par la lumière. Alléluia. Car tout ce qui est manifesté en lumière. C'est clair. Alléluia. Regardez bien. Bien aimé. Lorsque nous sommes dans le monde,
on ignorait que, c'est-à-dire on ne pensait pas que Dieu nous voyait. Or la Bible précise bien. Je vais revenir. Quand nous étions païens, on était asservis à toute espèce d'impureté de débauche. Lorsqu'on aborde une jeune fille, en plus nous sommes des salonniers, on est salonniers, on va y avec elle, à l'hôtel. Salonniers. Alors il y a des positions bizarres qui se font dans l'hôtel. Et pour nous, Dieu ne nous voit pas. Hein? Pour nous, c'est une bonne chose. Or, la Bible dit que les cieux de l'Éternel sont en tout temps et en tout lieu, en observant le bon ainsi que le péché. Dieu dit, comme autrefois nous étions ténèbres, et que maintenant nous sommes lumière, nous devons condamner. Nous condamnons faisant quoi? En annonçant la repentance. En disant aux hommes de sortir de l'impudicité, de se repentir du vol, du mensonge, de l'escroquerie. En disant aux hommes de sortir des relations de corps et d'art. Parce que le Christ nous a franchis. Parce que nous, autrefois, nous étions ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Ephésiens chapitre 2, verset 1. Jusqu'au verset 8. Ephésiens chapitre 2, oui. Verset 1 au verset 8. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Lorsque le dépaillé, vous étiez morts par vos offenses. Oui. Et par vos péchés. Et par nos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Parce que autrefois, on ne connaissait pas Jésus. Selon le train de ce monde. Selon l'inspiration. Ou selon l'influence de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. L'impuissance qui assujettit les hommes. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a une puissance qui oppresse les humains. Il y a une puissance qui pousse les hommes qui n'ont pas reçu Jésus. Alors le diable est en captivité. Le diable les assujettit. Le diable s'assoit sur eux. Ils ne sont plus maîtres de eux-mêmes. C'est la puissance de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Le diable est quelqu'un qui s'est rébellé à Dieu. Alors quand le diable te possède, il te pousse à te rébeller contre Dieu. Il te pousse à faire des choses abominables. C'est le diable qui te pousse à aimer le péché. C'est le diable qui t'a rendu esclave de la cigarette. C'est le diable qui t'a rendu esclave de l'alcool. Il y a une force qui te presse. Ce n'est pas par ta propre volonté. Tu ne peux pas te maîtriser. Tu ne peux pas te contenir. Ça ne dépend plus de toi. Parce que tu as rejeté Christ. Alors Christ t'a livré aussi. Auprès de ce monde. Alors il fait le poste qu'il faut. Pour continuer mon Dieu. Au verset 3. Nous tous aussi. Regardez bien, il précise très bien. Nous étions de leur nombre. Donc, nous aussi aujourd'hui, nous sommes devenus hommes de Dieu. Nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Et nous vivions autrefois. Donc, moi aussi, j'étais un grand masculin. Selon la convoitise de notre chair. Selon la convoitise de ma chair, c'est-à-dire. C'est que ma chère demande, c'est ça que je fais. Alléluia. Je continue. Accomplissant les volontés de la chair. Nous accomplissons les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées.
Et nous étions par nature. Et nous étions par nature. Des enfants de colère. Des enfants de colère. Comme les autres. Comme les pays. Mais Dieu. Mais regardez, mais il y a une condition. Mais Dieu. Mais Jésus-Christ. Qui est riche en miséricorde. Qui est riche en pitié. À cause du grand amour. À cause du grand amour. Dont il nous a aimés. Dont il nous a aimés là. Nous qui étions morts. Nous qui étions des pécheurs. Par nos offenses. Des impudiques. Nous a rendu la vie. Des machinateurs. Nous a rendu à la vie. J'adore la vie. Avec Christ. Avec Christ. C'est pas grâce. La Bible dit que c'est pas grâce. Que vous êtes sauvés. Que nous sommes sauvés. Attention. Amen. Alors qu'on dit, oh, on est fait par la grâce. Ah, Dieu a dit que c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Vraiment, c'est pas grâce qu'on est sauvés. Alors, Jésus est mort à la croix, c'est terminé, tout est accompli. Alléluia. On va prendre le livre de Pierre chapitre 2, verset 11. Et le livre de Proverbes chapitre 31, verset 30. Et de Ephésiens chapitre 6, verset 1. Dites chapitre 2, verset 11. Dites chapitre 2, le verset 11. C'est ça. Car la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, fils de salut, oui, c'est un moyen pour être sauvé. Pour tous les hommes, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, a été manifesté. A été manifesté, c'est vrai. Elle nous enseigne. Mais la grâce nous dit, nous avertit, nous prévient. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne que, à renoncer, nous devons aussi rejeter, à l'impiété, nous devons abandonner, et aux convoitises, et tout ce qui est lié à la convoitise, modèle, et à vivre. Dans le siècle présent. Alléluia. Selon la sagesse. Amen. Amen. On va prendre Galates chapitre 5, verset 13. Après 13, qui est verset 16. Galates 5, verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Frère, vous avez été appelés. Nous avons été appelés à la liberté. À la liberté, c'est vrai. Seulement, mais simplement, ne faites pas de cette liberté. Pas parce qu'on est libre, un prétexte de vivre. Alors on a reçu le droit de vivre selon la chair. De se voter dans la chair. Verset 16. Verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous devez marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires. Car la chair a des désirs contraires. À ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. Et l'esprit également a des contraires. À ceux de la chair. À ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas. Afin que vous ne fassiez pas. Ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Amen. 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 Pour conclusion. Excusez-moi. Conclusion. Allons-y. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5. Non. Oui. Vous pouvez. Excusez-moi. Et oui, c'est ça. 1 Pierre 5. 10. C'est verset 10. Voilà. Oui, verset 11. Alors. 1 Pierre 5, verset 10, verset 11. La conclusion. Je lis la parole de Dieu. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé. Qui nous a appelé là. En Jésus-Christ. À le servir là. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert. Après que nous aurons souffert. Un peu de temps. Un peu de temps là. Vous perfectionnez. Il va nous perfectionner lui-même. Vous affermira. Il va nous affermir. Vous fortifiez. Il va nous fortifier de la marche. Vous rendra inébranlable. Il va nous rendre inébranlable de ses preuves. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Va acclamer Jésus. Va acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Et puis nous. Alléluia. Et puis nous. Et puis nous. Et puis nous. Et
comme nous sommes là pour adorer le Seigneur, nous savons que notre adoration doit être sincère. C'est pourquoi tu vas mettre maintenant la main dans la poche et puis tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande et tu vas dire au Seigneur de bénir cette offrande. Et tu vas déposer dans le panier. Le panier bleu, c'est pour les offrandes. Le panier doré, le panier jaune, c'est pour les dîmes. Si tu es venu avec ton offrande, tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à prier sur ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande, tu es venu avec ta dîme, tu fais la même chose. Alléluia. Voilà, viens déposer ton offrande. Les chants, accompagnez-nous. Viens déposer ton offrande. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je ne vous pas pour vous les épouses des cieux, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Seigneur, sur la base de cette parole, nous avons apporté. Seigneur, maintenant, que ton sang purifie cette offrande. Que Seigneur Jésus, que cette offrande monte devant toi comme un parfum de bonne odeur. Et que Seigneur, toutes les bénédictions qui sont rattachées aux données, qui sont rattachées à la libéralité, qui sont rattachées à l'offrande, soit notre partage. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, demain il y a délivrance. Alors, tous ceux qui sont programmés, tous ceux qui sont entrés en zone, qui devraient passer ce mercredi, demain vous venez, c'est à partir de 8h. Voilà. À partir de 9h. Voilà. On va se donner debout. On va se donner debout. Seigneur, notre Père et notre Dieu, béni soit ton nom pour ce moment que tu as rendu possible. Béni soit ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur. Béni soit ton nom pour l'enseignement que tu nous as apporté ce soir.
Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu nous as communiquée au travers de cet enseignement. Béni soit ton nom, Seigneur, pour le zèle que tu renouvelles dans la vie de mon frère et ma soeur, pour l'engagement, la détermination, l'amour, ô Dieu de ton nom, que tu reprends en nous ce soir. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que quand on vient dans ta maison, Seigneur Jésus, on ne retourne pas tel qu'on est venu, mais on retourne avec la vie. Merci pour ton serviteur que tu as inspiré. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Seigneur, nous avons fini. Nous allons retourner. Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, veille sur nous. Seigneur, comporte-nous. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, lève-toi, ô Dieu, comme toute adversité, comme tout adversaire. Tu veux nous maintenir dans le sommeil, dans l'assoupissement, dans les ténèbres. Tout esprit qui veut nous maintenir dans les yeux futurs et ténèbres. Seigneur, lève-toi pour les repousser. Lève-toi pour les combattre. Seigneur, tout œil de la sorcellerie soit défait maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, mes frères, nous te prions de nous donner la victoire sur toute activité des puissants et ténèbres. Toute activité de la reine du ciel, de la reine des corps, toute activité des agents du monde et ténèbres. Toute activité des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants qui se sont levés contre le réveil. Donne-nous la victoire sur toutes les choses. Seigneur, donne-nous de rentrer à la maison en bonne santé. Donne-nous de rentrer à la maison avec la victoire. Donne-nous de rentrer à la maison au Saint-Esprit. Et que Père, tu bénis toutes les activités de tes enfants. Tu bénis toutes les activités de ton peuple. Tu bénis toutes les activités de nos frères et soeurs. Seigneur, permet que demain, par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver ici pour la délivrance. Et que Seigneur, si tu t'en à revenir, si tu t'en à venir, Seigneur, dimanche, nous soyons ensemble pour le culte et que ton nom soit célébré au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous répondons Amen. Amen. Chalomé ton frère, vous chalomé ta soeur. Faut pas mettre ton chalomé, papi, photo là. Hein. Faut faire chalom avec accolade. Faut chalomé ton frère, chalom ta soeur. Hey, faut chalomé bizarre, bizarre là. Chalom bien, chalom bien.